Eh bien bonjour à tous, c'est Marcellus, le Citoyen, on est en live là, je suis en direct. Alors, on va se faire un tout petit peu de ETS. Alors attendez, je vais vous mettre le jeu. Capturer ça. Ça, on fait OK. Normalement, le jeu devrait apparaître. Voilà, c'est bon. Moi, je le vois sur OBS. Donc, c'est que c'est bon. Ça veut dire qu'on est tout bon. On retourne en jeu. Donc, je suis sur la version 1.32 et j'ai déjà comment? Ma propre remorque. Comme vous pouvez voir juste là. Hein. Toujours avec le T150. Qui est là, voilà. Donc j'ai fait comment une peinture assez assortie à la remorque, comme ça au moins on est tranquille. Donc du coup on va conduire.
Donc, normalement, si tout se passe bien, vous devrez avoir le son du jeu, hein. On va l'aider. Je vais faire F7. Et on va se faire un service de remorquage. Impec. Là, hop, on va configurer. Non, c'est pas là. Réparation. Réparer, en fait, si vous voulez, vous voyez. Donc j'ai un peu triché, hein. J'ai un peu cheaté l'argent. Comme ça, je suis sûr d'avoir la remorque. Donc dommage parce qu'il fait nuit, vous pouvez pas très voir l'ensemble. J'essaye de dételer la remorque. Ouais, je vais faire. Me reposer, mais avec clairement Ah si, c'est bon. Faire une pause. Merde, qu'est-ce que je mange? On fait entrer. Donc là, on est en plein jour, comme ça. L'ensemble que j'ai. Ensemble hein. Un petit Scania avec une peinture les étoiles pas sorti, vous voyez. Offre de fraîche, donc de Strasbourg en Suède. Ça peut être. On va se prendre ça. Bah, tu lis pas tes lèvres? Mais le live, je le suis sur le portable, comme ça bouffe moins ta connexion. Pourquoi ça bouffe ma connexion comme ça? Bah, en fait, je t'explique, je suis connecté avec la connexion pour Discord, pour le double Discord, et moi, les messages, je le fais sur le portable. Pour Discord, mais ça va pas me bouffer ma connexion. Non. Ah! Oh. J'ai eu peur, je dis là, non, non. J'ai peur que ça va pas la bouffer, quoi. Ah, c'est feu vert, on peut y aller.
Alors, on arrive chez Postpaid. On fait la touche entrée. On fait offre de frais. On prend donc la cargaison. Le moteur, il est arrêté. Donc là, on se fait charger. Et voilà. Je vois pas le feu rouge là.
faire attention dans le virage, bien sûr. Voilà. Il va tranquillou. Salut à toi, Jean-Claude Dramet, et bienvenue sur le live. Je suis sur la version 1.32 hein, de ETS. Donc j'ai la propre remorque. Hein, j'ai fait une peinture assez, assez sympa. D'ailleurs, on va s'arrêter sur le côté. Je vais vous montrer ça. Ça va très bien et toi? Ah, je vais vous montrer un petit peu ce que vaut mon camion. Donc j'ai mis une peinture vraiment européenne. Pour le coup, là, c'est vraiment assorti. Hein. Donc c'est un Scania que j'ai pris. Je l'ai décoré vraiment comme je voulais. Donc j'ai mis du DLC Raven, du DLC Mifty Grifting. Moi, ça va. Bah, c'est impeccable, alors, si ça va. Donc voilà quoi, un petit camion pas trop décoré, pas trop quand c'est trop décoré, donc du coup je l'ai laissé comme ça. Là je vais en direction de la Suède, donc dans le DLC, DLC Scandi. Je joue avec le volant Trumaster T150 que j'ai eu d'occasion. J'ai payé 70€ au lieu de 190. Ce qui est plutôt bien. Donc j'ai pas, par contre, j'ai pas le pédalier avec les trois vitesses et tout ça, ou qu'il y a l'accélération, le frein et l'embrayage. Et j'ai pas non plus le levier, mais ça, ça va arriver par la suite. Et sinon, je tourne en ultra. Avec ma résolution d'écran 1920, je crois, par 1080. Enfin bref, je tourne en 1080p. Mais OBS, il est réglé en 720p. Alors surtout, hein, n'hésitez pas à partager le live hein, si la qualité vous plaît. C'est pareil, j'ai mis des mods hein, que j'ai réussi à trouver sur le workshop. Genre par exemple mon GPS, c'est le mode GPS de Google Maps que j'ai réussi à trouver sur le workshop.
La map, je l'ai pas touchée, j'ai tout laissé l'origine en map. J'ai des sons aussi normalement de. Des sons V8 pour les camions, mais je sais pas si ça me le fait que sur celui-là ou sur les autres aussi. J'ai l'impression que depuis la 1.32 il fonctionne plus. Donc il faudra que je change. Donc c'est pareil, il y aura une rediffusion hein, du live automatique. Comme hier. Hier ça s'est refoutu automatiquement en rediffusion. Qui est plutôt sympa, comme ça quand il y a des abonnés, genre les abonnés qui sont à l'école, bah au moins ils peuvent voir mon live en rediffusion. Donc c'est assez sympa. Que je crois sur Twitch ils ne font pas ça. Donc oui c'est pareil, hein. Je tiens à préciser que mes lives se feront sur la chaîne hein, YouTube et non sur Twitch. Je reste sur YouTube, je préfère YouTube en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que YouTube, il y a plus de monde maintenant, surtout que YouTube, ils ont pas mal amélioré le truc. Pour ça, moi, YouTube me convient plus que Twitch. Oui, du coup, alors attendez, parce que j'ai oublié de préciser. Je vais exactement à Vastero. Et donc, je vais vous montrer hein, le trajet qu'on a à faire. Tout simplement. Donc, moi, je suis parti de Strasbourg. Et on monte jusqu'... Donc, vous voyez, on a tout ça traversé pour aller jusque-là, dans le DLC Scandi. Voilà. On va aller à Vastero. Ceux qui voudraient savoir la conf mon PC ou hein, tout simple le shadow PC, ça veut dire le PC dans le ça veut dire en fait on a un boîtier chez nous mais il n'y a rien dedans, c'est vide quoi, on peut juste brancher nos périphériques et c'est mis à jour tous les ans par Blade, la société Blade hein, c'est eux qui font et donc je paye 37,90€ par mois pour avoir en fait un PC de gamer mais pas chez moi quoi en fait. Donc tout simplement il y a 12 Go de RAM, un processeur à 2,10 GHz mais normalement on va passer sur du 3 très prochainement. Il y a aussi un disque dur de 255 Go et la carte graphique c'est une GTX 1080 pour ceux qui veulent savoir un peu la config. Et bien sûr, ce qui me permet de faire tourner tous mes jeux en ultra. Quoi. Là d'ailleurs, le live, il est fait à partir de ce PC-là et vous pouvez voir comme quoi que il y a aucun souci de qualité, même avec OBS. Quoi.
Donc là, pour le coup, c'est vraiment un petit live détente hein, sur ETS2. Hier, j'ai fait un petit peu de Fortnite, mais... Voilà, aujourd'hui, un petit peu de ETS. C'est vraiment live détente aujourd'hui. J'ai mes phares allumés. Bon, faut dire que... Ça va, j'ai pas pris de dégâts, je croyais. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé mon rétro avant en fait. Du coup, j'ai tapé un camion. Mais ça va, j'ai pas pris de dégâts, donc c'est bon. C'est sous le tunnel. On va faire gaffe au radar, c'est 80 ici. On l'a pas pris. Bah voilà. Oh ça va, ça roule quand même plutôt bien. Hein. C'est assez tranquille. Donc je suis en solo. Hein, parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait la mise à jour du multi, donc je vais pas aller en multi pour l'instant, sinon c'est tout un merdier, faut passer en 1.31. Donc du coup, je reste en solo pour l'instant. La mise à jour du multi sera faite. Je vous ferai des vidéos multi, des lives. Alors c'est pareil, je vais choisir un jour dans la semaine hein, pour mes lives. Comme ça, ça sera toujours le même jour en fait que je vais liver. Ça, c'est un petit truc que je vais prévoir. C'est-à-dire, je vais choisir vraiment un jour dans la semaine. Putain! Ah bah, je l'ai touché. Ouais, ça va. Il n'y a pas de dégâts. Ouais, donc je disais, je vais... choisir un jour dans la semaine, je sais pas quel jour, genre le samedi je pense. Ouais, plutôt le samedi. C'est-à-dire genre le samedi, je sais pas moi, je peux vous faire des lives le samedi avec une heure précise, par exemple, je sais pas moi, de 15h à 18h30 genre. Et comme ça, vous saurez que tous les samedis de 15h à 18h30, je serai en live sur YouTube. Donc moi j'ai quelques petits coups de freeze des fois quand ça sauvegarde, mais vous avec OBS, c'est ça qui est bien foutu chez OBS, c'est que vous voyez pas mes freeze en fait. Moi je les vois de mon écran, mais vous voyez rien. C'est pour ça que j'adore OBS en fait, parce que mon live est toujours fluide,
qu'il nous reste 1320 km. Alors, il y a longtemps que j'ai pas été dans le DLC Scandinavian, hein. Je sais pas ce que. Parce que j'ai tous les DLC en fait, sauf quelques peintures que je prends pas parce que je les aime pas. Il y a des peintures que j'ai pris que j'aime bien, mais il y a des autres peintures que j'aime pas, donc je les aime. Mais sinon, j'ai tout. J'ai le DLC Raven, Mifty Grifting, Scandinavia, Vive la France, Gwynist. Voilà quoi. Je sais pas s'ils ont sorti un nouveau DLC depuis, mais. Ah, c'est pareil, bien sûr, hein. Y aura aussi. Deux fois. Bah, toujours le samedi, bien sûr. Des lives sur du farming. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai hâte que le 19 arrive. Parce que farming, c'est la base, hein, comme on dit. J'ai commencé sur le 2011, et puis bah, après, j'ai suivi. 2011, 2013, 2015. 2017 et là j'attends le 2019. Donc bien sûr, hein, je vous dis, hein, j'ai aussi testé le 14, le 16 et le 18 sur tablette. Mais je préfère sur PC parce que sur PC au moins on peut mettre des modes. Ah, par contre, j'ai peut-être me retrouver un peu dans la mouise. Vous voyez, un petit accident de la route encore, comme sur la photo du début là, que j'avais mis en live avant de commencer. C'est bon. Donc oui, du coup, le live, il est filmé en 720p parce que je sais très bien qu'il y a des endroits où les connexions sont pas top top. Donc du coup, je pense quand même à tout le monde. Donc je me suis dit, autant le mettre en 720. Sinon, je peux vous le faire en 1080p, mais... J'ai peur qu'il y en ait qui n'arrivent pas à capter le live. Donc du coup, je mets 720p. Au moins, je suis tranquille. Je suis sûr que tout le monde peut en profiter. Donc là, je vous précise aussi, je suis en live jusqu'à 18h30. Il n'y aura pas que du ETS 2, hein, je pense changer de jeu un peu. Et je vais varier entre du ETS 2, du ATS et du City Car Driving. Je vais varier un peu tout ça, on verra un peu ce que ça donne. Ou alors, peut-être pas du ATS, mais du Fernobus. Parce que j'ai aussi Fernobus Simulator, donc pourquoi pas, hein, essayer de live dessus.
nous reste 1192 km, ça va le faire. Ça, je double tout le monde. Et hop, des contrôles de police. Est-ce que je peux me rabattre? Ouais. Et on se met de notre côté. Parce que normalement, les poids lourds, ils roulent de ce côté-là. Après, je peux faire réel. Hop, on fait ça. Et on est tranquille. Comme ça, ça gâche pas la vue. En plus, je vois les... C'est ça, hein, normalement. Ouais, c'est bon, c'est ça. Je vois bien les kilomètres heure que je suis sur le compteur, donc c'est impeccable. Même pour faire attention. Et sur le GPS, c'est marqué limité 80, donc on voit aussi bien, donc on va rester comme ça, hein. C'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Tu fais quoi? Je cherche une boîte. Donc on va se calmer, hein. Donc là, on a de la chance, il fait encore un peu jour. Attendez, je me garde vite fait sur le côté, les amis. Je vais me faire une petite cigarette. Quoi? Le cendrier.
Donc c'est bon les amis, on est reparti. J'ai fini de faire ma clope. On est reparti. Bah ça va lui, tranquille, il jette sur moi. Magnifique coucher de soleil là. Surveiller ces niveaux d'essence. Oh ben ça va. Il nous reste 995 bornes. Et mon essence, ça va. J'en ai encore assez.
Ouais, par contre, attendez voir. Et je vais aller vite fait regarder sur le PC portable. Je crois que j'ai pas mis mon titre. Ah ouais, d'accord, je peux pas mettre le titre. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça y est, on est dans la nuit, les amis. La nuit vient de tomber. Dégâts, 2% de la remorque.
Ah, pour le coup, il fait vraiment nuit. Ah, ma petite femme, coucou mon bébé, coucou. Ouais, dis donc, petite maline. Donc ouais, pour le coup, il fait vraiment nuit sinon. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors. En fait, j'ai pas regardé combien il me reste de kilomètres là. 764 kilomètres. Et niveau essence, on est bon. Bien sinon. Oui, oui. Bon, alors le bus, par contre, il va me saouler. Bah, ok. On chie un peu le Scania en montée.
et péage. Vous savez quoi? On va prendre celui-là, nous. Le libre service. Ah, surtout, n'hésitez pas à liker, hein, à partager, à vous abonner, hein, pour ceux qui s'y seraient pas. J'ai essayé de trouver une station, j'allais aux toilettes, les amis. Vous inquiétez pas, hein, j'en ai pas pour nous. Eh ben, il y en a une là, une station essence. On va s'arrêter 2 minutes. Tu vas faire quoi comme jeu après? Je sais pas, peut-être faire le bus. Je reviens, les amis, je vais vite faire aux toilettes. Comme ça, grâce à toi, j'entends. L'autre jour, j'ai fait du ouais. Heureux, tout le monde. J'ai été vidangé, donc. On va essayer de pas toucher de bagnole. Et voilà. On est reparti, donc. Très beau Volvo. J'allais dire, j'ai cru qu'il allait jamais avancer celui-là. Donc oui, pour ceux qui viennent d'arriver, hein,
sur mon live là, parce que je vois qu'on est 4. Pour ceux qui viennent d'arriver, je disais au début du live, il y aura une rediffusion mise automatiquement. Donc pour ceux des fois qui loupent le live ou qui ont loupé le début, la rediffusion sera mise automatiquement. Hein, pour comme ça, vous pourrez aller la voir. Simplement. Je pense qu'il ne doit pas rester beaucoup de kilomètres à faire. On va vérifier. Eh, 630 hein, encore quand même. Hein. Tiens, on va laisser un petit peu le GPS comme ça. Donc, normalement, là, on y est dans le DLC, ce qu'on dit, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a les péages sans barrière. Et ouais, 172 balles, c'est bien ça, on est en splendide. Ah, il y a longtemps que je suis pas venu, hein. C'est Scandinavie. Pour l'instant, j'ai pas eu le message comme quoi le client attendait la livraison. Là. Parce que des fois, ça s'affiche. Donc, ça veut dire que je suis dans les temps. Non, non. Il y a personne qui te suit. Bah si, on est trois. Bah, c'est pas beaucoup. Mais c'est normal, parce que moi, la moitié de mes abonnés, ils sont encore courts à cette heure-ci. Et toi, le frangin, je crois bien qu'il bosse, hein, parce qu'il est pas sur le live. Ah non! Il y avait sa copine qui devait venir aujourd'hui, normalement, frère. Oui, et qui devait te suivre avec elle. Bon, lui, Grégo, c'est normal qu'il soit pas venu parce que lui, il est à l'école. Elle a repris l'école. Bah ouais, ça y est, son stage, il est fini, apparemment.
Bon, il reste 500 km et on sera arrivé. Quoi, pour l'instant, j'ai pas de musique libre droit ni rien, hein, mais pour le prochain live, j'essaierai de me faire ça. Yo, mon pote, salut, zone détente, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais très bien. Je fais un petit live TS2 là, en mode tranquille. Ouais, c'est cool. Je live jusqu'à 18h30, hein, zone détente. Hein. D'ailleurs, tiens, je vais vous lancer un petit... Pas sur le multi. Non, parce que le multi, la mise à jour, elle est pas faite, je crois. Et là, je suis avec la nouvelle mise à jour de ETS. Je suis en version 1.32. Oui, du coup j'ai ma propre remorque. Et je crois que le multi, ils l'ont encore pas fait la mise à jour. Du coup, sinon faut passer en 1.31. Ah, j'ai pas resté que sur ETS, je pense. Tiens, je vais vous poser la question à vous dans le chat et me répondre. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse juste après? Donc, j'ai le choix entre du ATS, donc American Truck Simulator, ou alors du Fernobus. Tu as ta propre remorque? Oui, j'ai ma propre remorque. Tiens, bah d'ailleurs, je vais te montrer zone détente si tu veux l'ensemble que j'ai. Donc voilà l'ensemble. Voilà, il fait pas jour encore, donc tu verras peut-être pas bien la peinture et tout que j'ai mis. Mais j'ai mis une peinture bleue avec... c'est une peinture Europe en fait, que j'ai avec du DLC là. Comme tu peux voir, c'est un petit Scania. Donc voilà. Dis-moi un peu ce que t'en penses de ça là. Bien, de ce côté-là, tu le vois mieux. Et là, voilà mon ensemble. Jean-Claude Dramé. Joli. Merci, merci. Ça déchire. Ben merci les gars, merci. Ça me fait plaisir. Ah non. Petite peinture assez simple, tu vois. Oula. Donc oui, sinon, zone détente, si t'as pas vu ma vidéo présentation quand je parle de mon boîtier Shadow, de mon volant, bah je suis avec mon Trumaster T150. J'espère que l'on pourra... le faire le multi. Bah j'espère aussi, ouais. Alors, normalement je pense que on pourra. Il suffit d'attendre la mise à jour et normalement Ah oui, du coup tu as plus le G25. Non, j'ai plus le G25, j'ai changé.
J'ai pris le T150 de chez TrueMaster, qui tourne à 1080 degrés. De base, il vaut 190 euros, mais moi, j'ai payé 70 euros. Parce que mon G25, il est mort. Mais c'est pas grave, hein, le TrueMaster T150, si tu veux, c'est pareil que tout volant à retour de force. T'as l'option de brancher une boîte de vitesse et d'avoir le pédalier embrayage, accélération et frein, que je compte d'ailleurs acheter beaucoup plus tard. Hein. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes qui défilent hein, dans le live. Donc c'est là aussi un peu pour ça. Bon, j'ai pas mis de titre, mais je préfère le préciser. Hein. Il marche bien du coup ton nouveau volant. Ouais, franchement, ouais, tu vois, je suis pas déçu. Pour un petit achat, ouais, franchement, il déchire. Tu vois, là, je suis avec. Et il y a vraiment une sensation de conduite assez agréable. Après, j'ai encore pas testé un peu ce qui volait sur Farming, toi. Faudra que je teste d'ailleurs. Ça fait plaisir. Bah ouais. Donc oui, tiens, zone détente, vu que t'es sur le live, je vais te parler d'un truc pour mes lives. Si tu veux, je compte les faire le samedi. Genre, je sais pas, moi, de 15h à 18h30, tu vois. Ça peut être sympa, je pense. Parce que le samedi, il y a plus de monde. Puis en semaine, t'as la moitié des gens, soit ils sont au travail, ou alors les autres, ils sont à l'école. Dis-moi un peu ce que t'en penses si je le fais le samedi de 15h à 18h30. Ça devrait mieux marcher, je pense. En plus, le samedi, je suis souvent avec les copains que j'avais dans la team MLT d'avant. Donc, ça peut être sympa. Oui, le samedi, c'est mieux. Ouais, tu vois, le samedi, ouais. Bien ce qui me semblait. Bah, allez, écoute, je vais le faire le samedi. Donc, du coup, tous les prochains lives seront le samedi de 15h à 18h30. C'est officiel. Une annonce comment je vous ferai une annonce pour le samedi, je la ferai je sais pas moi, genre le vendredi, comme ça je marquerai les jeux que je vous propose entre ETS2, ATS et Farnobus, et comme ça vous me direz pour le live lequel que vous voudriez voir. Aujourd'hui je taffe pas, sinon j'aurais pas pu voir. Ah, d'accord.
Bah, de toute manière, il y a la rediffusion, zone détente qui se met automatiquement. Donc c'est pour ça, hein, ceux qui peuvent pas être là, je comprends, donc... Il y a la rediffusion, hein, de toute manière, automatique, il y a la... Comme pour le live d'hier, la rediffusion est mise automatiquement. Quand j'ai fait du Fortnite... Mais du coup, c'est officiel. Oui, mais c'est différent, on peut pas discuter. Ah oui, c'est sûr. On voit juste l'ardif qui s'est passé. Ah, c'est pas ça, ouais. Moi aussi, je pense... le samedi, c'est beaucoup, ça sera beaucoup mieux. Du coup, c'est officiel, je le ferai le samedi, le live. Allez, on a un peu de pluie. Donc là, oui, je suis parti dans le DLC Scandi, zone détente. Il y a longtemps que j'y ai pas été, en plus. Donc c'est officiel un peu le samedi. Hein. 15h-18h30. Donc oui, du tout, comme, du coup, zone détente, comme tu l'auras remarqué, je fais plus mes lives sur Twitch, hein, mais maintenant je les fais que sur... Contrairement à avant, ma live était la journée. Parce que le soir, je suis avec ma petite femme, hein, on profite un petit peu. Donc du coup, je l'ai fait que la journée. Avant, vous vous rappelez, je faisais mes lives jusqu'à des 5-6 heures du matin, mais c'est normal avec la... On dormait pas ensemble, donc du coup, je pouvais me le permettre. Mais là, maintenant, mes lives, ils sont qu'en pleine journée. C'est pour ça que je disais que je faisais 15h-18h30 le live. Et Didi, tu as des nouvelles? Bah Didi, en ce moment, parce qu'en plus il travaille aussi. Et là, le dernier coup, j'ai envoyé des messages sur Steam. Manque de bol, il était pas chez lui. Donc je pense qu'il était sûrement en vacances. Mais sinon, ouais, on s'écrit Facebook, sur Steam. Ah, ça commence à pleuvoir fort là. On va activer les... Il n'y a personne. Ok, ta team. Bah ma team, j'en ai plus. Parce que j'avais recruté du monde, mais ils étaient jamais là. Donc du coup, bah je l'ai fermé. Avant, on était beaucoup de monde dans la team parce que j'étais toujours présent. Et comme il y a eu un moment, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment, peut-être 6 mois, je crois, sans faire de vidéos et tout ça, bah du coup,
Tout le monde est parti chacun de leur côté, mais t'inquiète pas, qu'il y en ait de l'ancienne team, j'ai toujours des contacts avec Riku, toute la bande qui était dans ma team avant, j'ai toujours des contacts avec. Hein. D'ailleurs, je pense que quand je ferai des lives le samedi, je pense qu'il y en aura sûrement, vu que normalement je suis souvent avec eux en Skype, je pense qu'ils seront sûrement présents. S'ils sont chauds, et pourquoi pas peut-être faire du multi avec eux. Un multi, ça serait cool. Bah ok, faudrait que je voyais avec eux s'ils sont chauds et pour participer, ou même s'il y a Riku avec moi, pourquoi pas, ouais, un petit multi. Ah bah la bonne époque, hein, zone détente, un petit multi. Eh bah je peux couper mes feux, c'est bon, il fait jour là. Ah bah ça va, on est bientôt arrivé. Il nous reste 160 km. La bonne époque comme tu le dis. Eh ouais. Ah, y a juste, je sais pas si tu te rappelles là, de Alexis, zone détente. Alexis, tu sais, le Québécois là. Y a juste celui qui vient plus parce que. Il a plus d'ordi en fait. Mais sinon, tous les autres, j'ai toujours des contacts avec. Hein. D'ailleurs, on se fait souvent des Skype le samedi donc. Par contre, il y a peut-être un mois où... Bah si, si c'est le samedi, c'est bon. Il y aura un mois où, par contre, il y aura vidéo et live. Donc ça, ça sera le samedi. C'est parce qu'il y a un mois où, dès que je peux, je me fais mes heures de conduite. Donc, parce que je suis en train de passer le permis, là. Oui, je me rappelle avec sa connexion de Minitel. Oui, voilà, c'est ça. Le pauvre, à chaque fois, il voulait faire un live et ça buguait partout. Ah, il était marrant quand même, lui. Ça, franchement, on le prenait avec nous. Quand il était dans ma team, il était marrant. Lui. Le coup que je l'ai emmerdé quand j'avais fait le délire sur PES 15 ou 16, je sais plus. Qu'avec la team, on l'avait fait chier un peu. On l'avait titillé. Si, il était drôle et gentil en plus. Ouais, ouais, c'est vrai, il était drôle et gentil, lui. Bah, dommage qu'il a plus de PC quoi.
The Punisher 2. Salut! Ça fait plaisir de te voir sur mon live. Jeune détente, n'hésite pas à t'abonner à The Punisher 2. Il fait aussi des lives sur American Truck, ETS, du Farming, je pense aussi, je crois. Donc n'hésite pas à aller t'abonner aussi à sa chaîne. Il reviendra. Je sais pas s'il va revenir. Ça ne détend. Je peux pas te dire. Pour l'instant, il a plus de PC donc. On est 5 sur mon live, bah, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Donc oui, comme je disais, n'hésitez pas à abonnez-vous aux chaînes. Plus un abo et un like. Bah merci The Punisher, ça me fait extrêmement plaisir. Attendez 2 minutes, j'ai un petit souci là. Et merde. Pour ceux qui écrivent dans le live, attendez 2 minutes, j'ai la connexion. De mon live sur mon portable qu'a sauté, je peux plus voir vos commentaires là. Ah ça y est, j'arrive avec l'autre. Re, très joli ton son de camion. @ zone détente, un abonné en plus. Il y a toujours un con pour mettre un dislike. Ah ouais d'accord. Ah bah merci, ça fait plaisir à tout le monde là. Merci, merci Punisher pour le camion. En plus j'ai, tu sais, la version 1.32. C'est bon, les commentaires sont venus les amis. Ça comme tu dis, zone détente, il y a toujours quelqu'un pour mettre un dislike. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Slash zone détente plus un abo. Allez. Ça fait plaisir. Zone détente, n'hésite pas à t'abonner à The Punisher. Et à Jean-Claude aussi. Alors, regardez, on est arrivé. Alors, apparemment, c'est là que je dois rentrer, moi. Ah, on est 6 sur mon live. Ah, ça fait plaisir, ça.
va la garer. Donc là, normalement, ils vont décharger pour moi. Et tu vas voir que j'ai toujours la remorque. Et voilà. Merci pour ton abonnement. Je me suis abonné à toutes les chaînes présentes. Ok, bah merci à toi, zone détente. Hein. Ça va leur faire extrêmement plaisir. Là, on arrête le moteur. Et voilà. Ah non, merde! Et là, je dois faire entrer. Et normalement... Et ben voilà, un petit excellent, regarde. Merci. Ah, t'inquiète. The Punisher, c'est normal. Hein. J'ai partagé ton live sur Discord. Bah merci à toi. Ça fait plaisir. Et on va se refaire une petite livraison. On va décoller de ici pour aller à... Allez, on va aller un petit peu en... On va rester en Scandinave. Mais on va aller à Karlskrona. C'est pour ça. Donc, apparemment, c'est dans cet entrepôt-là que je charge, non ? Voyons voir si c'est ici que je charge. Faut être frais. Bingo, c'est ici qu'on charge. Et donc là, je vais charger où? Ok, donc... Je vais sortir comme ça. Je crois que mes rétros ils sont un peu mal réglés, du coup j'ai du mal à voir. Essayez quand même de se la rentrer en vue intérieure, ça serait cool. Et ben voilà. Donc là, pareil, j'arrête mon moteur et je fais donc entrer. On nous charge. Et voilà. Et on est reparti. Madame Monet, tu as maintenant Marsu. 236, je crois, zone détente. Bon. Thank you.
237. Merci The Punisher de m'avoir dit. Donc 237 zone détente. Je suis ton cinquième, lol, ça fait longtemps. Oui, franchement, toi ça fait longtemps, ouais. Toi t'étais le cinquième. Mon premier abonné que j'ai eu, je sais plus qui que c'était. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'était Didi. Et puis bah après ça s'est suivi, hein. Malu Bibine, tout ça. J'ai même... je pense que tout le monde le connaît. Je sais pas s'il est toujours abonné. Mais normalement, dans mes abonnés, j'ai toujours... comment il s'appelle ? Le papy du net, là, vous savez, celui qui a fait une vidéo un jour. Comment manger des frites en Belgique ou... J'aurais pas de soucis de The Punisher. Et bah lui, je l'ai dans mes abonnés. Le papy du net. Eh merde. Ah, on n'a pas réparé le camion. Ah, le con. On va aller le réparer. 1000 carbon. Ah oui, il y a 1000 carbon aussi, oui. Il y a Manu Bibin, 1000 bon, 1000 carbon. Le papy lunette. Manger des frites en Belgique. Quand il mange avec les doigts. Il a même fait une vidéo avec sa femme, je crois, en prank, qu'elle lui fait croire qu'elle y achète une... Il y achète une... Non, qu'elle y a acheté une Ferrari. Et en fin de compte, c'est une voiture sans permis. Donc, on a réparé tout ça. On peut y aller. Ah, parce que je sais pas si t'as vu zone détente, mais maintenant, vu que dans la version là, on a notre propre remorque... Eh ben, comment ? Tu peux réparer ton camion plus ta remorque. C'est Milk Bonne, c'est lui qui m'avait parlé de ta chaîne. Ah ok, d'accord, zone détente. Ok, ok, donc ça serait Milk Bonne qui... Mon premier abonné alors. C'est un pote IRL. Ah ok. Ah bah c'est cool. Toujours des contacts avec avec lui. Parce que moi ça fait un moment que je l'ai pas vu en terre. Après peut-être qu'il travaille, hein. Didi et tout ça doit être le troisième. Ok, d'accord. Bah écoute, si t'as toujours des contacts avec lui, tu passeras le bon Marcellus, hein. Parce que je le vois plus dans les commentaires, donc je sais pas si... Ou à moins qu'il reçoive pas les notifications quand je fais un truc. Parce que je sais que des fois, YouTube, il a... Il a des soucis de notif. Il tape beaucoup en déplacement. Ah, d'accord, bah c'est pour ça alors. Il travaille dans quoi? S'il est en déplacement, si ça se trouve, il travaille peut-être comme maçon.
fait, je crois que maintenant, électricien. Ah d'accord. Ah, électricien, ça. Hey, niveau déplacement, ça y va. Hein. C'est comme la maçonnerie. La menuiserie aussi, je crois, ils en font des déplacements. C'est un peu comme tous les métiers. Mais hier, maintenant, je crois que la moitié de mes abonnés, ils ont trouvé du... Ah, c'est pareil, je vais faire une pub pour une chaîne. C'est la chaîne de la team Picsou et Donald. Donc anciennement Yotix Killer, pour ceux qui le connaîtraient. Vu qu'il a perdu sa chaîne, du coup il a recréé une chaîne avec un ami à lui. Donc c'est la team Picsou Donald, ils font souvent des lives. À part hier, ils ont pas livé, je sais pas pourquoi. Mais sinon ils sont souvent en live aussi, eux, sur du Call of. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça peut leur faire plaisir, hein, et parce que Yodix Killer, comme il a plus de chaîne, il a décidé de faire ça avec son pote. Et puis voilà, quoi. Et l'autre malade, Jojo, tu as des nouvelles? Ah, Jojo, c'est pareil, il a du travail maintenant. Le fameux troller de YouTube. Mais il a trouvé du boulot, apparemment. J'en ai eu, c'est quand, des nouvelles de lui? Parce que c'est pareil, j'ai fait une vidéo, je crois, en disant, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles de Jojo. Il m'a marqué comme quoi qu'il était toujours présent. Mais je crois qu'il a du travail maintenant. Ah, il m'avait bien fait marrer, lui, avec son troll, quand même. Même si au début, je savais pas que c'était un troller et que je m'étais énervé dans ma vidéo. Mais sinon, après, quand je l'ai appris, ça m'avait bien fait marrer. Et comme j'y avais dit, bah j'y en voulais pas, quoi. Il était vraiment fou. Ah ouais, non mais... Il m'avait fait marrer quand même. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo d'excuses et tout. Je me rappelle de tout ça. Ouais, il... Là, je crois maintenant, je te dis, il travaille. Hein. Parce que c'est pareil, je le vois rarement... Donc pour moi, je pense qu'il a trouvé du petit boulot et tant mieux pour lui, hein, vous me direz. Tant mieux pour lui. Je me rappelle, il avait été voir tous mes abonnés, je crois, en plus. Il avait posté un commentaire sur tous les abos. Il y en a qu'un que j'ai plus de nouvelles, c'est... Le spécialiste de l'avion, merde, comment il s'appelait, lui? Il était à fond dans son rôle. Ouais, franchement, ouais, c'était impressionnant. Il était à fond dans son rôle de troller et tout. Le seul que j'ai plus de nouvelles, c'est Lookman. Ah, ça vient de m'en revenir. Lookman Lalol, celui qui arrêtait pas de me réclamer le Blue Yeti, là. Le spécialiste de l'avion. D'ailleurs, je sais même pas s'il fait toujours ça. Y'a que lui que je vois plus. Mais je crois que je l'avais bloqué en plus, lui. Lookman. Mais sinon, oui, pour en revenir à Jojo, franchement, il était à fond. Mais au moins, vous voyez, ce qui devait être bien avec lui. C'est que d'accord, il a pris son troll et tout. Et quand il a vu que ça commençait un peu à dégénérer, quoi. Tout de suite, il a fait des excuses et tout. Et après, moi, on m'a prévenu que c'était... comment? Un troller. Et tout de suite, derrière, j'ai sorti une vidéo. Avec son micro Blue Yeti. Ouais, Lookman. Tu te rappelles de lui, là? Avec ses avions.
J'ai m'arrêté 5 minutes sur le côté parce que tout le monde le sait, hein, je suis fumeur de base. Donc j'ai fait un petit job. Ouais, je peux pas m'arrêter là aussi. Fait chier. On va essayer de trouver un endroit pour que je puisse m'arrêter, les amis, histoire que je fasse une cigarette. Pour moi et ma petite femme, bien sûr. Non, ici, je peux pas m'arrêter, putain. Avec... Ouais. J'ai déjà lu le commentaire là. Sa chaîne pourrie. Il voulait donner des leçons graves. Il voulait donner des leçons, le mec. Il faisait des vidéos sur les avions. Ah bah ici je peux me garer. Ah ils ont pas tondu le gazon ici, ça se voit. Hein. Je vais être là. En feu de détresse. Je vais faire une clope pour moi et ma petite femme. Ah désolé hein, si vous entendez un bruit dans le micro, mais c'est ma cafetière. Ouais, elle est à côté de moi, comme ça quand je veux me faire du café, je suis tranquille. J'ai tout sur place. Donc oui, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à partager aussi si le contenu vous plaît. Je pense que mon contenu est quand même assez agréable à regarder. Comme j'expliquais, moi des fois j'ai quelques frises hein, dans mon écran. J'avais rigolé à l'époque. Bah tu m'étonnes. Ah, il me faisait marrer, moi. Avec ses avions. Je vois pas ce qu'il trouve d'intéressant, hein. Dans ça, mais bon. Moi, entre nous, hein, je préfère faire une vidéo ou un live comme je suis là, là. La vidéo qui pétait un câble sur lui. Ah oui, oui. Ah, elle monte aussi celle-là. Elle est vieille aussi. Je crois qu'elle date d'il y a au moins 2-3 ans, non? Entre nous, je préfère faire un live comme ça que de filmer un avion. Non mais sérieux. Imagine. À zone détente. T'imagines le mec. Bon, aujourd'hui je vous filme la cabine d'un Boeing 725. Laisse-moi rire. Ou alors décollage du Boeing 730. Non mais laisse tomber. 2-3 ans facile. Ouais, 2-3 ans facile, c'est ça? Non, mais sérieux. Je sais pas s'il continue à aller faire ses vidéos comme ça, mais franchement.
dis pas, hein, le Blue Yeti, je vais bientôt... J'ai essayé de le prendre. Sur eBay, je crois que je l'ai vu à 90-99 €. Pour mettre sur Shadow, voir s'il serait bien reconnu et tout ça. Je vais faire un essai. Parce que s'il est bien reconnu, après, toutes mes vidéos, ils seront faites... Et tous mes lives, ils seront faits avec OBS, toujours, sur Shadow. La seule différence, parce que là, je suis en double appel Discord, du coup. Parce que j'ai téléchargé Virtual Audio Cable sur Shadow pour qu'on puisse entendre mon son de micro. Que si après le Blue Yeti est reconnu sur Shadow, le double appel Discord, je le fais plus. Marche très bien le micro que tu as. Bah oui, bah celui-là c'est normal, hein, zone détente. J'avais expliqué dans une vidéo. C'est ma femme qui me l'avait offert. Et c'est le... Attends, que je te dise pas de conneries. C'est un micro, il vaut 109 €. C'est le Razer Kraken 7.2, je crois. Le Razer. Voilà, c'est le Razer. Je suis con, en plus j'ai le... C'est le Razer 7.2, je crois. Ou 7.1. Il vaut 109 vols. C'est vraiment... il est en... Comment? Il est en micro USB. En fait, il est reconnu en USB, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, ce micro-là, je peux le brancher sur PS4 et sur PC. C'est une bonne marque. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne marque. Le problème, c'est que je suis sur Shadow. Mon cadeau. Ouais, franchement, elle m'a gâté, ma petite femme. Mais, tu vois, le problème, vu que je suis sur Shadow, en attendant qu'ils fassent leur mise à jour et tout ça, pour que tous les périphériques USB soient bien reconnus, bah, le micro, si tu veux, il passe pas. Donc, du coup, je suis en double appel, là, si tu veux. Je suis connecté sur mon Shadow avec un Discord que j'ai créé vite fait. Et je suis connecté sur Discord, sur le PC portable aussi, pour faire mon double appel. C'est ça le seul défaut de Shadow, en fait. C'est que le... Pour utiliser un micro sur Shadow, il te faut à tout prix un Blue Yeti. Sinon, les autres, ils sont reconnus. Mais quand tu veux parler, ça bug. Parce que j'ai déjà fait des tests. Après, c'est vrai que le micro que j'ai, là... Franchement, je m'en plains pas, hein. Pour 109 balles, c'est une très bonne marque. Ah, c'est pareil, j'ai changé d'écran entre-temps, hein. J'ai un écran LG en HDMI 1920 par 1080, la résolution, ce qui est plutôt bien, quoi. À rapport à l'époque, aussi vachement amélioré. Et vous pouvez voir, hein, sur le live, la qualité est excellente. Pas besoin de refaire le plein, là. Ah, on peut peut-être quand même y remettre une couche. Ah non, c'est pour dormir ici. C'est juste une aire de repos. La prochaine station que je croise, on va y faire le plein, parce que je vois ma jauge... pas mal descendu.
Ah, c'est pareil, un jour, en live, je ferai du farming. 17 ou 19, s'il est sorti d'ici là. Et je compte créer... comment ? Créer une partie multi. Et inviter des abonnés pour jouer avec moi. Si ça vous dit. On se mettrait sur Discord ou Skype et... Plus sur Discord, je pense. Serveur, je créerai un serveur Discord spécial abo. Et comme ça, ceux qui veulent participer au live sur Farming ou... Ou sur ETS en multi, ben... Voilà, quoi. Comme je faisais avant, en fait. Avant, je faisais participer quelques abonnés. Et pourquoi pas reprendre le contexte. Ça marchait plutôt pas mal, en plus. Je vais faire une course, je reviens après. Y'a pas de soucis, ça me détend. Je suis là jusqu'à 18h30 de merde, donc y'a pas de problème.
mine de rien, on est bientôt arrivé. Hein. Encore 100 km à 111. Ah, la route ici, elle est vraiment étroite, hein. Fais voir. Alors ça, je sais pas. Je vais te connaître parce que moi, fallait savoir le mot de passe, putain. Non, ça tu fais ça. C'est... Voilà, c'est ça. Il donne les options. Tiens, tu vois, regarde. Ça bouffe rien à rapport à Free. Depuis tout à l'heure, on est connecté. Et toi, t'as usé que 5,12 gigas. Et tu peux pas voir les options, tu sais, pour acheter un jeu ou je sais pas, ou quoi, si tu veux. Et ça, je les mets dans le truc. Pouf, je suis rassuré, je les ai. Et c'est prélevé le 29. Le 29 mmh. Alors, tous les 29, j'ai le crédit. Je suis contente, je les ai eus, enfin. Putain. Faut gueuler avec eux pour t'avoir. Rien. Voir les options aux fruits. Genre, j'ai envie de jouer à un jeu, mais il y a un truc. Ajoutez des options à votre...
Ça se trouve, ouais. Quand t'as déjà commandé, si ça se trouve, elle a pas pris l'option, cette pute. Ça va mieux. Comme par hasard. Je sais pas, c'est. Ou à moins qu'il faut que tu le télécharges. T'as l'application normalement pour aller sur. Ouais, tu vois, t'as l'application. Mmh. Tu l'installes. Mmh. Je sais pas après. Attendez, hein, les amis, 2 minutes. Je suis en train de faire un truc. Regarder ça ensemble. Par contre, j'ai baissé la musique parce que apparemment j'ai le son de musique que je suis en retard. Parce que je sais que t'as des abonnements comme ça, t'es obligé d'installer leur truc. Mmh. Pour C'est mon numéro de télé. Ok, d'accord. Ah, ça, on va pas. Que je la place B. Ok, c'est ça. Ah oui, il faut pas que je le laisse traîner. Toujours le laisser avec moi. Présentation, présentation. Option tout même. Normalement, je comprends pas, tu devrais. C'est ton utilisateur, toi, t'as même leur adresse. Échec lors de la connexion. Consommation supplémentaire. C'est la consommation des achats, ça. Hors forfait, vos options. Ah, pourtant, je comprends pas, hein. Tout est dedans, hein. Tu devrais pouvoir le faire. Mais pas, je vais tenter. Mais ce que je comprends pas, c'est quand tu fais ça. Après, tu vas dans compte, ça, ah, Marcelin, je t'aime là.
rappelle plus s'il y avait... Si. Alors non. J'ai de deux mauvaises. Plus un labo, merci le fermier commun. Oh. T'inquiète pas, je vais rerouler, je suis juste en train de faire un petit truc vite fait. Ouais, ça se trouve, ouais. Parce que tu vois, il propose que... le seul Google, ma carte. Le compte clôturé de Free. Toi, tu peux le supprimer, mais ouais, ça se trouve être la propriété. Bon, au pire, après le live, si tu veux, j'essaierai de regarder... pour te l'activer, au pire. Donc voilà, les amis, hein, désolé, j'étais en train de faire un petit truc avec ma petite femme. Donc du coup, je suis reparti, donc là, pour finir 72, et je suis en live jusqu'à 18h30. Donc le fermier commun, je m'abonnerai à ta chaîne. Vu que tu t'es abonné à la mienne, je m'abonnerai à la tienne après. Non, moi j'ai tout droit. C'est quoi comme Scania? C'est le dernier Scania, le tout nouveau. Alors, bah tiens, je vais te le montrer. Hop, je vais me garer et je vais te le montrer. En plus, je suis sur la version 1.32 du jeu. Donc j'ai la propre remorque à moi, que j'ai acheté. Donc voilà à quoi que ressemble le Scania. Voilà. C'est ce Scania là que j'ai, c'est le tout nouveau. Avec la benne assortie et tout, parce que c'est ma propre remorque. Je sais qu'on peut toujours avoir l'option de... de prendre des remorques officielles du jeu. Mais comme moi j'ai acheté ma propre remorque, j'en profite. Et je suis au volant, j'ai le Trumaster T150. Il a quel nom sur le jeu ? Ah bah attends, bouge pas, je vais te montrer. On va retourner dans le menu. Tac, 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 tac. Je vais aller dans gestion de camion. Eh oui, je te dis ça. Le Scania S. C'est le Scania S Height Roof que j'ai. De 730 chevaux, tout simplement. Voilà. Comme ça, tu sais avec quel Scania je conduis et je roule. Merci. Bah de rien, le fermier commun. Et donc oui, après mon live, hein, le fermier. Allez, on va refaire le plein.
J'avais dit prochaine station essence, on refait le plein. Bientôt arrivé à destination. Voilà, on est donc arrivé, on va aller la garer. Est-ce que ça passe là? Yes! Ah ok, d'accord. Ils disent que c'est compliqué à la garer là, mais non. Il y a juste à faire demi-tour. Impeccable, on est garé, on met le front parking et on arrête le moteur et on fait entrer. Ouais bah ça je m'en doute que je suis en retard. Thank you.
Nouvel abonné, le fermier commun, c'est abonné à votre chaîne. J'avais déjà remercié, donc c'est bon. Impec. H8, j'arrête à 18h30. Allez, bah vous savez quoi, on continue sur ETS. Hop, marché. C'est cool. Oui. On va peut-être pas faire 2000 bornes. Hein. J'ai dit, on va y aller mollo. Hein. Allez, on reste dans le DLC. Et on est reparti donc. Du coup, nous lésions offre de frais et c'est cette mission là. Allez, c'est bon, c'est chargé. On est reparti. Thank you.
Coucou, salut William Fermer 60, tu vas? Vraiment pas de chance, moi il pleut. Déjà tout à l'heure il y a plu et là ça repleut, dit. Pleut bien alors. Fais pas semblant. Hein.
Yo mon frère, salut Vivine! Comment tu vas aujourd'hui? Bien, je suis avec ma femme, mon frère. Ok. Impeccable ça. Et sinon, comment s'est passée ta journée, le frérot? Ah bah nickel. Et t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Ah, je suis en live jusqu'à 18h30 hein, en fait. Arrêtez les essuie-glaces, c'est bon. Et avance pas, lui. Avec ma femme, c'est McDo ce soir, mon frère. Ah, t'as de la chance, toi. McDo au calme. Il nous invite, hein? Il nous invite. Ah lol.
Vas-y, puis basta. Tu as déjà fait ce fameux bus? Eh oui, avec mes sous. C'est cool ça. Non, j'ai pas fait de fameux bus, Vivine. J'ai passé ma journée sur ETS là. Parce que regarde, je vais te montrer un truc. Vu que je suis en 1.32, version 1.32 du jeu, regarde un peu le scadio que je me suis fait avec la remorque à sortie. Hein. C'est tout nouveau ça, regarde. Ah, regarde-moi ça. Pas du Scania, ça. Pas mal, hein? Faire le bus, ça sera pour samedi prochain. Parce que du coup, mes lives, je vais les faire tous les samedis de 15h à 18h30. Comme le samedi, il n'y a pas école, tu vois, il y aura plus de monde. Pas passer dessous et si pas mal et ok. Grégo, il va pas tarder de rentrer normalement là. Bon, gigot et oui. Ok, pas de soucis, Vivine, merci d'être passé. De rien. Faire une petite clope si je peux. J'avais envie. Vigandé. Ah, je vais faire du bidon. Ah.
T'as moi c'est pareil, il va falloir que j'aille aux toilettes aussi. On est déjà le 20. Non. Je t'ai bloqué le truc 2. Eh ben, c'est cool. Hihi. T'en voudrais une clope ou pas, bébé? Ah non, mais non, trop Ah, vous bien. inquiétez pas, hein, ceux qui sont sur le live, hein. Et après, je vais aller vite fait aux toilettes. Ah, ça buguait pas sinon quand t'es venu toi sur le live. Non. Bah impeccable alors. C'est quoi que ça? Eh, je peux pas répondre moi. C'est qui? C'est qui? Appel entrant indésirable suspect. Je réponds pas. C'est quoi? Ça m'affiche un truc, attention, je réponds pas. Ne réponds pas. Mais c'est quoi ça? Suspect. Vous êtes collé? Ah, c'est ce que ça m'a marqué, appel manqué. Un truc indésirable, suspect, je sais pas quoi là. Cette connerie, c'est qui? Ah, j'en sais rien moi. C'est pas votre télécom? Ou Free? Non, non, ça m'a quand même dit suspect, si ça se trouve, ça te met suspect. Je sais pas. C'est un suspect qui t'appelle. Ah oui. C'est quoi un suspect? C'est que le numéro c'est suspect, ça veut dire qu'il faut pas répondre. Parce que c'est quand ça te marque suspect, je crois que ça c'est un numéro qui t'appelle pour te pirater ou. Bon, les amis, je reviens, j'ai vite. Bonne question. C'est bizarre que cette bague suspect. Comment t'as des deux? Marqué suspect. Ça marque ça. Tu pas de cheveux? Je t'aime, toi. Ouais, je sais pas, j'ose même pas réagir. Tellement que ça me voulait. Ça m'a marqué tout fait. Vaut mieux pas répondre ni envoyer de message. Je crois, ouais. Parce que si on pirate ton portable, Alors là. t'es pas dans la merde. C'est pas ça, mais je le ferai jamais. Ça. Parce que t'imagines, toi, c'est un mec qui est là pour pirater ton portable. Moi, j'ai quand même la carte bleue. Donc, me revoilà, en fait, les amis. Ah, le con! Putain de fumée dans l'œil. Ah. T'as marqué ici toujours. Non, non, c'est pas le numéro de ma mère, ça. C'est quoi un 06? Ça se termine par 1275, c'est tout ce que je peux dire. J'en dis plus en live, parce que s'il y a des mecs qui veulent essayer d'appeler ce gars-là, je sais pas ce qu'il se fasse baiser, moi. Ouais, c'est un 06.
Non, non. Le pire qui m'a fait flipper, c'est... appel entrant suspect, tu vois. Là, je me suis dit, il faut mieux pas répondre. Ah, parce que ça serait été bien mon frère, ma mère ou quelqu'un que je connais qui m'aurait appelé, ça m'aurait laissé automatiquement un message vocal, j'irais. C'est vraiment bizarre qu'on m'appelle pas comme ça avec moi, parce que moi, je vais flipper toute la nuit, moi. Je vais en rêver. Je vais faire suspect, suspect. Arrête, ça me fout les jetons. J'ai dit maintenant je me fais plus avoir. C'est terminé ça. Ah non non non. Faut pas répondre, surtout. Ou attends, quand t'auras fini ton live, oublie, je regarderai si je peux. Parce que moi sur mon portable, je sais que je peux. Sur le tien, je le connais pas beaucoup. Je vais aller voir si je peux bloquer le numéro parce que suspect. Ça craint. Puis ma mère, elle répond pas. Faut que j'essaye de la contacter, de lui effacer le numéro qui m'a appelé. C'est quand même bizarre que ça m'a marqué suspect. Merde, non, puis même, ça serait été mon parrain, il m'aurait... Encore, notre client souhaite réceptionner sa marchandise. Ça vient de me dire, notre client souhaite réceptionner sa marchandise. On est temps. Merde, où c'est que je m'en vais? Excuse-moi, mais tu as un gars qui t'appelle et puis que ça te met appel entrant numéro suspect. Un violeur qui veut savoir où t'habites pour violer chez toi. Non, une connerie de pub, tu sais, comme je recevais avant. Bah, ça t'a jamais... Vous avez gagné un chèque ou une connerie non. Comme ça. Non. Arrête tout de suite parce que non. La pub, ça t'a jamais marqué suspect. Ils m'ont jamais appelé sur le portable. Ils m'ont toujours appelé sur le fixe. Et effectivement, des fois, quand il y a des pubs comme ça, tu tombes sur des 07, des 06 et tout ça. Et après, toi, ils te disent qu'il faut que tu appelles un 08, par contre. Mais je me ferai pas avoir. Faut pas qu'ils cherchent. Une fois, je me suis fait niquer, mais pas deux fois. Tu peux lui dire adieu. Ta carte bleue, elle est enregistrée pour toi. Ouais. Là, elle est enregistrée sur Google Play. Moi, je te dis à ta place, ne le donne même pas à ta mère. Supprime direct. T'as conseil que je te donne. Tu sais pas ce qui se cache derrière. Ouais, voilà. Pour ça, tu t'aimes pas ta mère, tu supprimes. Surtout pas, même moi je peux pas l'appeler. C'est pas si qui se cache derrière. Même si je l'appelle en privé, on sait jamais. Qui me pirate mon portable, je le retrouve, je le tue.
Je tiens mon téléphone. Non, suspect. Parce que les flics, ils... C'est pas secret, c'est suspect. J'ai jamais eu d'appel comme ça. Il m'a dit quoi? Le mieux, c'est que tu supprimes. Parce qu'il m'a dit, on sait jamais ce qui se cache derrière ça. C'est moi qui l'ai eu, le coup de téléphone. Je sais quand même ce qui est marqué. C'était marqué vraiment à appel entre respect. Non, non. C'était vraiment marqué suspect, hein. Pas... Il y a un truc qui va pas. Je suis là, moi.
Ah d'accord, ça me la livre automatiquement, je crois. Là, j'ai les 200 et quelques, je crois. Oui, c'est ça, c'est bon. Allez, on est reparti. Ah, n'hésitez surtout pas à liker le live, à le partager aussi, et à parler hein, dans l'espace chat. Je réponds à tout. N'hésitez pas. Salut Coco! Comment tu vas? Yo, oups, faute de frappe. T'inquiète, c'est pas grave. Bien et toi? Bah je vais très bien. Le retour comme avant pour des petits lives. Un plaisir. Donc oui, là, je suis en live jusqu'à 18h30. C'est vraiment live détente. Hein.
Hier, j'ai fait un peu de Fortnite. Aujourd'hui, OTS. Sinon, j'espère que vous avez passé tous une excellente journée. Du coup, ça a été. Je me trouve actuellement DLC Scandi. Ça change. Attention, il freine lui. Pourquoi ils ont leur phare allumé? Je comprends pas où. Éviter de se décaler de ma route.
zone détente. Je retrouve pas la chaîne du fou des avions. Ah bah à mon avis il a dû arrêter. Alors si tu la retrouves pas, je crois que c'était Lookman Lala, un truc comme ça, mais. Ou à moins qu'il a changé le nom. Depuis. Peut-être qu'il a changé le nom de sa chaîne. Allez, on a découvert Jean Coping. Merde, attends. C'est bien là que je dois livrer. Il y a un peu de doute là. Si, si, c'est là que je dois livrer, c'est bon. Leur truc. Merde. J'essaie de bien me positionner pour aller sur le point pour pouvoir faire entrer. C'est bon. Bon, bah, je suis un peu sur la route, mais bon. Il n'y a pas de marchandises. Mais c'est quoi ces conneries? Bah, et je dois livrer normalement. Conserve de porc. 1h58. Bah, c'est ça, conserve de porc. Ah merde, non, c'est même pas là que je dois livrer. Là, je me suis planté. C'est l'entreprise à côté que je vais livrer. Voilà, c'est ici que je dis vous. Là, je fais entrer, voilà. Hop. Ah, ça touche derrière. Bah ton client il souhaite réceptionner. Quel poche, j'y suis à l'entrée. Et Peter, tu as des nouvelles? Non, pas du tout.
Eh ben, impeccable. Encore un excellent. Alors, il me propose quoi? On va quand même en refaire. Agent de Coppinga, il me propose. Allez. On va prendre celle-ci. Ah d'accord, c'est chargé direct. La marchandise a été chargée. Ah bah. Go, on y va. Par contre, là, j'allume les feux. T'as vu ça? C'est quoi? Regarde, il va se péter le téléphone. Ah non, c'est rien, ça c'est... C'est une fêlure, c'est rien ça. J'ai jamais vu. Ton prochain achat est quoi? Mon prochain achat, je pense m'acheter le pédalier du T150. C'est qu'il y a accélérateur, embrayage et frein. Et après, une fois que j'aurai ça, m'acheter le levier de vitesse. Et aussi, dès que possible. FS19. Voilà. Ouais, aussi, ouais. Ouais, je peux faire le levier en premier et puis le pédalier en deuxième.
Oui, je crois que je vais faire ça de meilleure zone détente. Acheter le levier en premier et le pédalier en deuxième. De meilleure, faut que je m'achète les deux, donc je sais. Autant que je prenne le levier en premier. Donc du coup, il est 17h08, donc ça veut dire que je vais finir cette livraison-là, et après j'arrêterai le live. À quand ETS 3, ça serait bien. Ah, bah à quand faut voir ça avec le SCS, hein. Je sais pas s'ils vont le sortir. Ça serait terrible. Ah oui, c'est sûr, ça serait terrible, mais vu comment qu'ils font des efforts pour améliorer déjà celui-ci, je te dis, à mon avis, le 3, ils vont pas le faire. C'est vrai que ça serait sympa, mais j'y crois pas qu'ils le feraient. Parce qu'en plus, il y a déjà un nouveau jeu de camion qui va débarquer. Ça s'appelle Trucker... je sais plus quoi, ou que c'est Claude, tu descends de ton camion, je crois. Ouais, voilà. C'est Trucker. Cœur, je sais plus quoi le nom du jeu. Et en fait, ton camion est chargé ta marchandise toi-même. Et il sera disponible, le jeu que je te parle, il sera disponible sur PS4, Xbox One et PC. Ah bon? Ouais, ouais. C'est pas... c'est Trucker, je sais plus quoi, le nom. Il sera disponible PS4, Xbox One et PC, donc tu sais... il sera assez sympa. Allez, je vous retrouve le... que je retrouve le lien, au pire que tu regardes un peu. C'est... merde, je sais même plus, attends. Je vais essayer de regarder sur... le PC portable. C'est... merde, je sais même plus c'est qui l'a présenté en premier, ce jeu. De faire des lives. Bah j'ai Enrico sur la chaîne, hein. J'ai fait une annonce. Coucou qui est passé même.
D'ailleurs, les prochains lives, je les ferai le samedi. Je préfère tenir au courant tout le monde maintenant. Les prochains lives, ça sera fait de 15h à 18h30, automatiquement. Et comme tu sais, Cricou, le samedi, la plupart du temps, je suis souvent avec vous, en Skype ou Discord. Donc, les prochains lives seront avec vous. Ils seront faits avec vous. Parce que je compte faire du multi-ETS2, là. Bien sûr, si vous êtes OK, hein. On fera du multi-ETS2 ensemble et tout ça, comme la bonne vieille époque. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui par contre, parce que ça fait déjà 3 fois que je tombe sous la flotte. Non, c'est foutu ce choix. Je sais pas. Putain, je vais en faire. Le prochain live sera samedi à 15h. Oui, c'est ça. Zone détente. Attendez, hein, j'ai fait une clope. Parce que... Oh, si, si. Il y aura toute l'équipe, hein, tout meilleur samedi.
Rico, je sais pas si t'es encore là, mais si des fois t'es encore là, dis-moi hein, si t'es chaud pour participer à mes lives, comme avant en fait, avec tout le monde. Vu que maintenant je les fais le samedi, à part aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ça, on se capte sur Discord ou Skype comme on fait d'habitude. Et puis je fais participer tout le monde. Même si on se fait un multi ETS2. Comme à l'époque, quoi. Je crois que c'est bon. Je pense que j'en ai assez pour faire deux. Ça nous rappellera le bon vieux temps de l'époque. Putain. Attendez, hein, les amis, je fais une clope. Merde, j'ai des clés. J'ai des clés marmor, mon con. Donc n'hésitez pas. De votre forfait le 1 de chaque mois. Bah c'était pas marqué ça. Bah c'était si. Marqué 29 tout à l'heure. Bah là le 11. Ouais. Date du 17. Comment je fais pour voir mon compte? Saturation mensuelle. Parce que comme le samedi, il y a plus de monde, du coup je les ferai le samedi mes lives. Peut-être sympa. Hop là. Regarde bébé, c'est quoi ça? Mode de transversion de votre facture. Tiens, ça. C'est désactivé, c'est normal. C'est quoi? Facture votre. Mode de quoi? De transmission de votre facture. C'est désactivé. Ah, mais c'est les notifications. Oh. Bah, attendez. Que je m'en sorte avec les clopes, là. Bon, ça m'intéresse pas, je vais voir comment... Comment c'est où? C'est pas ça, comment je fais? Le 29h34. 5,59 gigas que t'as dépensé. Tu vois? Sur 100 gigas. 0 gigas. L'Europe SMS, c'est même si. Ça bouffe rien le truc que je fais. N'empêche pas de le faire tous les jours. Non, non mais par contre, après c'est le samedi. Et de quelle heure à quelle heure? Parce que moi, ma connexion, après, ça bouffe pas. Qu'on trouve une solution. Si c'est tous les samedis, est-ce qu'on lâche le... tous les samedis, faut essayer de voir comment on peut faire. Hein. Parce que si ça me bouffe tout le temps, 5 gigas, 5 gigas... Comment on peut faire pour voir? Ça bouffe pas 5 gigas. T'es à 5 gigas et quelques depuis tout à l'heure. Bah oui, mais je veux dire, pourquoi tout le temps faudrait trouver une solution?
Ce jeu, ça sera tous les samedis, oui. Mais quand tu vas passer ton code, ça sera... De quoi? Quand tu vas passer ton code. Mon code, je le passe pas le samedi. Ça sera en semaine que je le ferai le code. Et comment? À Noël, par exemple, au mois de décembre? Ah oui! Moi, je te dis tout de suite à tes potes, ils sont pas contents, c'est même que moi. Moi, au mois de décembre, du 1er décembre, c'est en amoureux. Parce que c'est les fêtes, tout ça. Alors, c'est comme ça, moi. Moi aussi, j'aimerais bien être en amoureux à Noël. Oula! Il avance lui parce que sinon. Donc là, je finis cette livraison-là, les amis. Et après, ben, j'arrête le live. Client souhaite réceptionner sa livraison dans les délais. À chaque fois, ça me met ça. Ça va, je suis bientôt arrivé. Il va pas me. Hein. Non, peut-être pas samedi, non, mais samedi prochain. Fait entrer. Bon, on va la garer en simple, celle-là. Bien. On coupe le moteur. Ouais.
encore un excellent. Donc voilà. Là, je vais faire. Je vais arrêter les. Pour 2 minutes. Donc, du coup, on va. Bah, au pire, parce que alors, du coup, ce que je vais faire. Une petite image comme avant. Par autre truc. Yeah.